Bienvenue à tous dans ce numéro hors série. Tous ceux qui aiment le sport admirent les performances hors normes des athlètes de haut niveau. Leurs corps sont bâtis pour gagner et leurs gestes sont peaufinés pour atteindre la perfection. L'étape ultime, c'est de s'occuper de leur cerveau. Car c'est là aussi que se jouent les fractions de seconde et les millimètres qui font toute la différence. Alors les plus grands exploits sont-ils construits dans la tête? C'est très probable. Il court plus vite. Il saute plus haut. Plus loin. Les athlètes fascinent depuis toujours par leurs gestes parfaits. On s'était contenté d'admirer la puissance de leur corps. On découvre aujourd'hui que c'est dans la tête des athlètes qu'il faut en fait chercher le secret de leurs exploits. On ne peut plus dissocier aujourd'hui le corps de l'esprit, l'entraînement mental de l'entraînement physique. L'entraînement mental, l'entraînement physique et l'entraînement technique doivent être synchronisés et cohérents. Partout dans le monde, scientifiques et entraîneurs explorent désormais le cerveau des sportifs pour continuer d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Grâce au travail des neuroscientifiques pour savoir comment le cerveau travaille et fonctionne, on a fait de grandes avancées. Si les champions d'hier gagnaient à la force de leurs muscles, c'est grâce à leurs neurones que triompheront demain les futurs dieux du stade. Ça va être fabuleux. On commence à s'attaquer à la préparation, mais plus que mental, c'est le mental, cognitif, prise d'infos, intelligence. Et là, il y a une marge de progression qui est exceptionnelle. Les athlètes ont toujours incarné les fantasmes d'une humanité triomphante, fière d'exprimer les extraordinaires ressources du corps humain et d'en repousser les limites. Mais on assiste aujourd'hui à un basculement sans précédent dans l'histoire. Jusqu'ici, chaque génération dépassait la précédente, mais on a de plus en plus de mal à battre les records enregistrés par nos grands-parents. Le 21 février 1993, à Donetsk, l'Ukrainien Sergueï Boubka est le premier perchiste au monde à franchir la barre mythique des 6,15 m. Pendant plus de 20 ans, personne ne parviendra à le détrôner. 20 années pendant lesquelles, chaque jour, un jeune perchiste français travaille d'arrache-pied pour prendre un jour la place de son idole. Il va tenter direct 6,16 m. Il va tenter de battre ce record du monde, le record du monde de Sergueï Boubka. Renaud Lavillenie va peut-être rentrer dans l'histoire à tout jamais de la perche dans quelques instants sous vos yeux ici à Donetsk. Renaud Lavillenie, c'est parti pour ce premier essai à 6,16 m. Est-ce que ça passe? Oui! Record du monde, ça y est, du premier coup. C'est incroyable, c'est incroyable, il l'a fait du premier coup, Renaud Lavillenie. Regardez Sergueï Boubka, bien sûr, qui est debout, qui applaudit, certainement très très ému. C'est un moment historique pour l'athlétisme et pour Renaud Lavillenie, pour l'athlétisme français tout simplement. C'est incroyable. 20 années d'entraînement pour une consécration historique. 20 années d'entraînement pour repousser les limites d'une discipline que l'on croyait finie. Et finalement, 20 années d'entraînement pour un simple petit centimètre de différence. En faudra-t-il 20 de plus pour gagner à nouveau quelques millimètres? C'est encore possible de battre des records. On le voit bien avec Renaud Lavillenie qui pourrait le battre à nouveau. On se rapproche de plus en plus. On se rapproche de la vérité, on se rapproche d'un des maxima potentiels. Mais il reste encore toujours une marge qui est de plus en plus petite. Pour franchir cette dernière marche, entraîneurs et préparateurs savent désormais qu'il faut renouveler en profondeur les méthodes et les approches. À présent que le corps humain semble avoir livré tous ses secrets, c'est vers la tête de leurs athlètes qu'ils se tournent pour faire émerger les futurs Boubka, Lavillenie ou Galfione. 50% voire plus, 60% du saut, il se passe en bout de piste dès le premier appui. C'est la tête qui va engendrer un bon saut dès le début, enfin avant le saut, quoi. On essaie de voir le saut avant, parce que ça va très très vite, et essaie de le faire au ralenti dans sa tête, les yeux ouverts, les yeux fermés, tout ça mentalement, quoi.
C'est vraiment une quête, une recherche de chaque athlète, de comprendre comment fonctionne son cerveau. Il n'y a pas un saut qui ressemble à une autre, il n'y a pas une course d'élan qui ressemble à une autre, c'est assez étonnant. Comprendre comment fonctionne son cerveau, c'est désormais la clé pour faire la différence au plus haut niveau de la compétition. Mais que sait la science du cerveau des athlètes ? Cacherait-il derrière leurs biceps des super-pouvoirs qui mériteraient d'être enfin étudiés de plus près ? C'est l'hypothèse avancée par une équipe de jeunes neuroscientifiques britanniques spécialisés dans l'étude de l'expertise sous toutes ses formes. Après les joueurs d'échecs et les musiciens professionnels, ils ont mesuré la matière grise des ceintures noires de karaté pour savoir si les athlètes de haut niveau avaient un cerveau différent du commun des mortels. Dans le domaine des neurosciences, on ne savait pas exactement si le fait de pratiquer un sport pendant très longtemps pouvait modifier la structure du cerveau. Ça nous a incité à regarder s'il y avait des différences de structure neuronale entre des experts en karaté et des gens qui ne s'étaient jamais entraînés au karaté. Les experts en karaté, ce qu'on a découvert chez eux, c'est qu'ils étaient capables de coordonner leurs mouvements. Quand leur épaule atteint sa vitesse maximale, leur poignet aussi est au maximum de sa vitesse. Donc, au point d'impact, tout est parfaitement synchronisé. Si vous et moi on fait ça, on y arrive et ça a l'air bien. Mais en fait, ça n'est pas efficace. C'est cette petite différence qui fait tout l'effet. Si les coups du champion du monde de karaté, Guillaume Torjman, sont aussi précis, c'est que son cerveau gère avec une rapidité exceptionnelle tous les paramètres du mouvement. Au point d'affoler tous les appareils de mesure du laboratoire. Quand on a commencé l'expérience, on voulait que les karatékas cognent sur des capteurs, avec tous leurs bras. Des coups comme ça, plusieurs à la suite. Mais le premier problème, c'est que le matériel souffrait beaucoup. Il était évident que le matériel ne ferait pas long feu. On l'a mis en place et il a commencé à bouger dans tous les sens. Donc il a vraiment fallu calmer le jeu. Une fois le matériel protégé, l'équipe a placé les karatékas sous scanner pour comprendre s'il y avait des différences structurelles entre le cerveau des experts et celui d'un groupe de contrôle. On ne savait pas à quel endroit on pourrait trouver des différences entre les karatékas experts et le groupe de contrôle. On avait un ensemble de régions où on pensait voir des différences. Donc on a choisi ces régions, mais on ne savait pas ce qu'on allait y trouver. Et on a identifié ces deux régions précises qui relient le cervelet au reste du cortex. Le cervelet est très impliqué dans la coordination des mouvements, dans la fluidité et la vitesse des mouvements. C'est une région cruciale pour le contrôle de la motricité. L'analyse du cervelet des experts a livré des résultats étonnants. Contre toute attente, le cerveau n'a pas construit de nouveaux réseaux entre les micro-régions impliquées dans l'exécution du geste. À l'inverse, il a simplifié les circuits neuronaux et réduit le nombre de connexions. C'est perturbant parce qu'on pourrait croire que l'excellence devrait renforcer les circuits. Mais si on regarde ça un peu différemment, on peut dire « je n'ai pas besoin de ce circuit. Ce circuit m'empêche d'accomplir la tâche. » Et donc, la suppression ou l'affaiblissement du circuit me rendra meilleur. Dans le sport de haut niveau, les réflexes sont très rapides. Les réflexes sont ce qu'il y a de plus rapide. Donc, en s'entraînant pendant très longtemps, on peut transformer une action qui serait compliquée, qui demanderait de beaucoup réfléchir, et elle devient un réflexe que votre cerveau applique au lieu d'avoir besoin d'y réfléchir très lentement. Les automatismes acquis au cours d'une vie d'entraînement intensif tracent dans le cerveau des athlètes des configurations neuronales uniques et spécifiques à leur discipline. L'expérience menée à l'Imperial College de Londres montre qu'à force de répéter les mêmes gestes des dizaines de milliers de fois, chaque athlète se fabrique petit à petit un cerveau sur mesure,
parfaitement optimisée pour réaliser des gestes que nous ne parviendrons jamais à reproduire sans effort et sans douleur. Cette capacité du cerveau à se déformer et à se modifier pour renforcer les automatismes, les scientifiques l'appellent neuroplasticité ou encore plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser. C'est-à-dire que lorsque l'on va effectuer un mouvement, on va induire des réorganisations dans différentes régions du système nerveux, dans le cortex moteur primaire, dans le cortex sensoriel primaire. On va induire des réorganisations et on va renforcer certains réseaux au détriment d'autres. Donc on va progressivement s'orienter sur le chemin le plus pertinent, qui pourrait être le plus rapide ou le plus intéressant. Et du coup, on va affiner et améliorer dans cette direction-là, en laissant tomber les chemins parasites, en quelque sorte. Pour les scientifiques, on tiendrait donc enfin la preuve que l'entraînement physique ne façonne pas seulement le corps. Il muscle aussi, et peut-être surtout, le cerveau. Mais il faudrait alors qu'on nous explique en quoi on a vraiment besoin de ces neurones pour soulever 175 kilos. Il faut toujours essayer de visualiser la réussite dans la tête. Il y a toujours cette partie où on essaie toujours de se connecter en réalisant le geste dans la tête avant même de le réaliser sur un plateau. Il faut toujours être en connexion avec sa charge, pouvoir quantifier la force que nous allons émettre selon la charge. Que nous ayons 20 kilos, que nous ayons 40 kilos, que nous ayons 150 kilos, peu importe. Ça demande toujours quelques petites secondes où on essaie vraiment de réunir nos capacités motrices et mentales pour pouvoir réaliser la charge. Même en haltérophilie, le premier geste sportif serait donc une opération mentale. Et pour le neurophysiologiste Amri Guillot, on a tort de prendre les disciplines de force pour des sports de brut. L'haltérophilie est un sport qui requiert une mobilisation énergétique et une dépense énergétique très importante, donc une force. Mais la performance commence bien avant ce qu'on pense. Et effectivement, la période pendant laquelle il va se concentrer, imaginer son geste et toutes les conséquences que ça va avoir, il va même jusqu'à percevoir les sensations qui sont associées au mouvement. C'est pratiquement un essai supplémentaire, en quelque sorte. Pour comprendre ce que fait vraiment le cerveau quand le sportif imagine son geste, Aymeric Guillot a demandé au champion le plus titré de l'haltérophilie française de venir répéter en laboratoire le travail de visualisation qu'il effectue avant de soulever ses charges. Auteur de plus d'une centaine de publications sur la visualisation, Aymeric Guillot va tenter aujourd'hui d'en comprendre les mécanismes neuronaux. Donc ce qu'on va vous demander, nous, une fois que vous serez équipé, c'est de visualiser votre mouvement, celui que vous faites habituellement à l'entraînement ou en compétition, et on va être capable, après des analyses, de déterminer les régions du cerveau qui sont actives quand vous visualisez le mouvement, et comment les régions communiquent entre elles. Donc on va voir, si vous voulez, une sorte d'image de ce que fait votre cerveau lorsque vous imaginez le mouvement. Cette technique nouvelle, utilisée ici pour la première fois sur un athlète de haut niveau, s'appelle la magnéto-encéphalographie. 300 capteurs enregistreront le champ magnétique produit par l'activité électrique des neurones dans le cerveau. La résolution temporelle exceptionnelle de ce scanner ultra précis permettra ainsi aux scientifiques de suivre l'activité cérébrale du champion à la milliseconde près. Une précision impossible à obtenir avec les techniques d'imagerie traditionnelles. On mesure des choses qui se passent tout autour de la tête, sans contact avec la tête. C'est simplement l'espèce de champ magnétique qu'on crée autour de notre tête, nous tous, en permanence pour chacune de nos activités, même dans les moments où on ne fait absolument rien. Et la difficulté, c'est de reconstruire ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Donc là, il est dans une phase de repos, et à chaque petit bip, il va imaginer soulever sa barre. Là, je me place sur ma barre, je respire. J'essaie de bien placer les pieds. Je déclenche ma poussée. Un bon tirage de bras. Un passage en dessous. Un bon timing au niveau de la réaction à la réception de la barre. Une remontée.
le petit moment où je respire avec la barre au niveau des épaules. Je contrôle au niveau de la descente. J'amorce la poussée de jambes. Je suis bien placé. C'est un essai parfait. Et bien voilà, il a fini de soulever ses barres. Donc j'espère qu'il n'est pas trop fatigué maintenant. Peut-être fatigué mentalement. On va aller voir. Voilà, c'est fini maintenant, on arrive. Le développement de l'imagerie médicale permet enfin d'analyser le fonctionnement cérébral des sportifs. On devait jusqu'ici se contenter d'a priori empiriques, mais les scientifiques peuvent aujourd'hui observer en temps réel comment les athlètes mobilisent leurs ressources neuronales avant d'accomplir un geste physique exceptionnel. Alors au niveau des signaux bruts ici, c'est toujours un peu délicat de voir quelque chose parce que c'est des signaux qui sont très très faibles. Et c'est pour ça qu'après on va utiliser des outils d'analyse qui sont beaucoup plus sophistiqués que l'œil pour essayer de détecter ce qui se passe et à quel endroit ça se passe dans le cerveau. Donc là on va voir ce qui se passe lorsque Vencela a imaginé son mouvement. Donc on a une première phase ici, assez proche de ce qu'on peut observer lorsque les personnes font de la méditation ou de la relaxation très profonde. Donc on a une sorte de désengagement de ces régions du cerveau, un petit peu comme si Venceslas voulait faire le vide, se focaliser, se préparer vraiment à faire quelque chose. Donc on a une sorte de mise en retrait, de reset et de désengagement de ces régions-là. Et une fois seulement que c'est terminé, ce qu'on aura comme coloris bleu traduit plutôt une activité lorsqu'il imagine le mouvement dans les régions sensorimotrices et visuel, par exemple ici, à l'arrière du cerveau, dans les régions visuelles, qui sont probablement liées au fait qu'il visualise, qu'il voit les différentes phases de son mouvement. Les régions plus dites sensorimotrices vont être davantage liées à l'exécution et au contrôle du mouvement, donc on va impliquer davantage les systèmes moteurs et les systèmes sensoriels qui sont impliqués véritablement dans la réalisation et la préparation du mouvement. Si l'image mentale produite par Venceslas Dabaya l'aide effectivement à soulever ses barres, c'est parce que cette image n'active dans son cerveau que les neurones utiles à la réalisation du geste à venir. Seuls les grands athlètes seraient ainsi capables de désactiver complètement, puis d'activer brusquement les régions motrices de leur cerveau sans avoir recours aux moindres muscles. Pour confirmer cette hypothèse, Aymeric Guillot a renouvelé l'expérience avec un haltérophile débutant. Quelques jours plus tard, il vient en partager les conclusions avec Venceslas Dabaya. Donc ce que vous avez là, c'est deux petits films vidéo. Celui de droite est le vôtre, et celui de gauche est celui d'un sportif de niveau départemental qui a fait exactement la même chose. D'accord. D'accord, donc je vous montre. Si je vous lance les deux vidéos en parallèle, vous allez voir que c'est complètement différent. Donc on est exactement sur la même séquence. D'accord. D'épaule et jetée. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout cette première étape où il fait le vide, ouais, et il se prépare, ouais, on a tout de suite une représentation mentale, voilà, et qui est très très diffuse, c'est-à-dire qui s'étend sur des régions, qui sont pas concentrées. Il n'arrive pas à rassembler toute l'énergie nécessaire, on sent que ça se diffuse un peu par fraction de seconde, ça va, ça vient. Et d'ailleurs, il nous a dit avoir beaucoup plus de difficultés à imaginer, à se projeter. Voilà, imaginer son mouvement de manière précise, à se focaliser sur les différentes phases. Donc ça se traduit bien ici par les activités qui sont reflétées au niveau du cerveau. C'est impressionnant. Les difficultés du sportif amateur confirment la supériorité mentale des grands champions. Chez eux, le cerveau travaille moins, mais mieux. Les recherches sur la visualisation et l'imagerie mentale ont établi la preuve de son efficacité sur le terrain. Mais depuis quelques années, elle trouve aussi de nouveaux domaines d'application. Puisqu'elles aident les athlètes quand ils accomplissent leurs performances, elles pourraient aussi soulager leur charge d'entraînement. Jusqu'ici, personne n'avait imaginé qu'on puisse s'épargner ces dizaines de milliers d'heures de répétitions épuisantes. Pour la championne de France de judo, Scarlett Gabrielli, renoncer à l'entraînement, c'est priver le cerveau d'informations cruciales pour nourrir ses automatismes. Pourtant, le 7 décembre 2014, à Tokyo, dès son second combat en grand chelem face à l'Argentine Paula Pareto, Scarlett Gabrielli s'effondre et reste clouée au sol.
la violence du choc a fait éclater les ligaments du coude. La jeune championne doit sérieusement réduire son programme d'entraînement. Il y a quelques années encore, le retour sur les tatamis aurait été long et douloureux. Mais de nouvelles méthodes permettent aujourd'hui de limiter le temps perdu. En fait, je me suis blessée en début décembre au coude. Donc j'en avais pour deux mois et demi d'arrêt. Donc j'ai entendu parler de cette imagerie mentale et qui permettait de revenir bien, en fait, de revenir comme avant, sans voilà, avoir perdu la technique ou les sensations. Et puis on essaie de tout mettre en place à côté, de travailler différemment en fait, pour essayer de moins perdre de choses possibles. Très bien, tu me le refais une fois, s'il te plaît ? À l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Paris, Claire Calmens est l'une des premières neuroscientifiques à avoir mis les techniques d'imagerie mentale au service de la rééducation des athlètes blessés. Alors maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de me faire de l'imagerie avec, par exemple, l'adversaire que tu vas rencontrer là dans 15 jours en Coupe du Monde. Quand tu es prête, c'est moi qui donne le top. Top. Lorsque l'on fait une image mentale, en fait, il y a des zones du cerveau qui sont activées, qui sont généralement les zones motrices, qui sont les mêmes que lorsqu'on exécute un geste. Les sportifs qui sont blessés vont pouvoir nourrir, si vous voulez, cette trace motrice, cette représentation motrice. Donc en fait, on peut dire qu'ils s'entraînent, entre guillemets, pour partie, pour de vrai, à réaliser ce geste. Le travail de Claire Calmels s'appuie sur l'une des découvertes majeures des neurosciences contemporaines. Visualiser un mouvement ou le faire pour de vrai produirait quasiment les mêmes effets sur le cerveau. Autrement dit, on pourrait nourrir son cerveau simplement en regardant les autres travailler. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, je caricature, je suis une novice en tennis ? Mais par contre, je regarde Roland-Garros toute la semaine. Je regarde tous les matchs. Est-ce que parce que j'observe Federer ou Nadal, est-ce que ça veut dire que je vais être capable de réaliser leurs gestes ? Non. Comme moi, je suis novice, je serai incapable de reproduire le geste. Dommage, on ne peut pas encore faire du sport en restant devant sa télévision. La science ne peut pas tout. Mais ce sont pourtant bien les mêmes neurones qui s'activent quand on fait un mouvement ou quand on voit quelqu'un le faire. C'est la raison pour laquelle les scientifiques ont baptisé ces neurones « neurones miroirs ». L'hypothèse des neurones miroirs s'avère particulièrement féconde pour le sport de haut niveau. L'existence d'un système d'observation de l'action dans le cerveau humain ne permet pas seulement d'envisager de nouvelles méthodes d'entraînement. Il révèle surtout pourquoi les grands champions parviennent à saisir les stratégies de leurs adversaires et à s'adapter d'une manière extrêmement rapide. Dans les sports duels, où deux adversaires se font face sur un court de tennis, un ring de boxe ou un dojo de judo, tout se joue sur la capacité à lire et à décrypter les gestes de l'adversaire. Il y a tout un éventail de sports pour lesquels être capable de percevoir des détails subtils chez vos adversaires est fondamental. C'est les sports à réaction rapide, comme les sports de raquettes, le badminton ou le tennis, où il faut savoir lire les signaux, les changements subtils. Au badminton, ça vous dit si le volant va partir à droite ou à gauche. Donc l'essentiel, c'est de lire les mouvements de l'adversaire au moment où il frappe la balle. Au football, c'est pareil. On scrute les mouvements du joueur. Est-ce qu'il va aller à droite ou à gauche? Et tout ça avant qu'il ne touche le ballon. Accomplir des gestes parfaits ne suffit pas. Il faut aussi être capable de tromper, de déjouer les ruses de l'autre, le tout en une fraction de seconde. C'est ce jeu permanent entre défenseurs et attaquants qui fait des matchs de football un immense champ d'expression des neurones miroirs. Et un formidable terrain d'investigation pour les neuroscientifiques. Le 1 contre 1 au football est un exemple assez classique. Quelqu'un arrive vers vous, il peut aller à gauche, il peut aller à droite.
Il peut d'abord faire un passement de jambe. Et si vous avez Cristiano Ronaldo, il va vous en faire 3 ou 4. Donc il y a un large éventail de mouvements qu'il faut essayer de percevoir et d'analyser. Les joueurs de haut niveau excellent à lire de tout petits détails. Quand ils voient quelque chose, quand ils perçoivent quelque chose, c'est presque comme s'ils se sentaient le faire dans leur propre geste. La perception du mouvement s'inscrit dans les régions motrices de leur cerveau. Pour comprendre comment les meilleurs footballeurs parviennent à anticiper les actions de leurs adversaires, Robin Jackson et ses collègues de l'université de Brunel ont placé une équipe de joueurs professionnels sous scanner et leur ont fait passer ce qu'on appelle un test d'occlusion temporelle. Le principe est simple. Sur l'écran, un attaquant s'apprête à tirer vers vous, mais le film s'arrête net avant que le coup ne soit frappé. À vous ensuite de deviner si le ballon va partir à droite ou à gauche. C'était la première fois qu'on allait chercher dans le système des neurones miroirs l'origine des facultés d'anticipation. J'ai discuté avec Robin Jackson et il m'a parlé de ses travaux sur l'anticipation qui utilise la tâche de prédiction, ce qu'on appelle l'occlusion temporelle. C'est une tâche qui consiste à être capable de prédire les mouvements d'une autre personne pour réagir en fonction. Alors je lui ai dit, mais ça serait une super expérience à faire avec le scanner. Et effectivement, on a vu que le cerveau était hyper actif. C'était quelque chose qui faisait vraiment travailler le cerveau. Ça m'a beaucoup impressionné parce que je me suis dit, mais peut-être que c'est une des choses les plus importantes pour lesquelles notre cerveau est programmé. On peut identifier très précisément quand il se passe quelque chose d'important dans le cerveau. Dans le cas des facultés d'anticipation des footballeurs, quand l'attaquant s'apprête à changer de direction, on observe qu'il y a une réaction dans le cortex moteur du défenseur quand il voit s'activer un muscle appelé le gluteus medius. Et le gluteus medius, c'est le muscle qui rattache la jambe au bassin. Il est très actif quand on prend appui pour changer de direction, comme c'est le cas avec les footballeurs. Même quand le tireur cherche à tromper le gardien, les mouvements de sa hanche, eux, ne mentent pas. C'est l'un de ces indices dont les meilleurs footballeurs sont capables de repérer le moindre frémissement, annonciateur de brusques changements de direction. S'ils parviennent à décrypter le signal à temps, ils disposent de quelques millisecondes pour s'adapter et surprendre leur geste réflexe. Ils suspendent effectivement leur geste pendant une fraction de seconde avant de prendre leur décision, de manière à prendre la meilleure décision possible. Ça veut donc dire que les experts sont plus précis, non seulement parce que les actions qu'ils observent ont une meilleure résonance dans leur propre cerveau, mais surtout parce qu'ils sont capables de se retenir d'avoir un mouvement réflexe devant une feinte. Ça suppose d'apprendre au cerveau à se méfier de ses réflexes. Étonnant paradoxe, les futurs Mozart du ballon passent des heures et des heures à répéter les gestes à l'entraînement pour finalement décider de ne pas les utiliser sur le terrain. Cette faculté de freiner la réponse réflexe ou à l'inverse de la laisser librement s'exprimer selon le contexte constitue en réalité une forme supérieure d'exercice des neurones miroirs. C'est elle que nous admirons dans le jeu subtil et créatif des plus grands joueurs de l'histoire. On pensait jusqu'ici qu'il s'agissait d'un don de la nature ou de la grande loterie génétique. Mais les découvertes récentes des neurosciences portent un coup sévère au vieux mythe du talent inné. Ces facultés d'adaptation ultra rapides peuvent en réalité s'entraîner comme n'importe quelle autre qualité sportive. Le mental, c'est une évidence maintenant qu'il doit être au top, il doit être bien. Le cerveau doit être bien formé. Elle doit être bien développée de la même manière que le corps. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Et on part, j'ai l'impression d'être 15-20 ans en arrière quand on a commencé à s'attaquer à la préparation physique. Là, on commence à s'attaquer à la préparation, mais plus que mentale. C'est le mental cognitif, prise d'infos, intelligence. Les neurosciences étaient jusqu'ici contentées d'observer le cerveau des athlètes. Il s'agit maintenant de le transformer.
Pour mettre les avancées théoriques au service de la performance sportive, les chercheurs s'investissent désormais dans la formation des jeunes talents. Le système d'entraînement cognitif mis au point par Jocelyne Faubert à l'école d'optométrie de Montréal s'appelle le NeuroTracker. 4, 8, 7, 3. Il promet de révolutionner les méthodes d'entraînement et la bonne nouvelle, c'est que les footballeurs vont peut-être enfin aimer les maths. On a nos 8 boules jaunes, d'accord, et puis il y en a 4 qui viennent de s'éclairer en rouge. Puis toutes les boules, pendant 8 secondes, elles se baladent dans l'écran. Elles peuvent s'entrechoquer ou se passer l'une derrière l'autre. À la fin des 8 secondes, un numéro apparaît sur chaque boule et tu dois être capable de me donner les numéros des 4 boules qui étaient éclairées en rouge. 5, 3, 8, 6. Pour la première fois, un simulateur virtuel cible directement les facultés cognitives des footballeurs professionnels et des futures stars du foot. Fruit de plusieurs années de travaux en laboratoire, le NeuroTracker met entre les mains des plus jeunes de quoi rivaliser avec les plus grands joueurs internationaux. 8, 5, 2, 7. Pour exercer les capacités d'analyse des joueurs, le programme conçu par Jocelyne Faubert et ses collaborateurs accommode l'abstraction scientifique aux contraintes réelles du terrain. Un design épuré pour traduire la complexité des matchs de football en forme simple. Mouvement, ligne et flux. Un flux optique, on l'a dans la vie de tous les jours, quand on marche dans une foule par exemple, c'est-à-dire un mouvement dynamique qui avance vers vous de façon constante. C'est ce qu'on a aussi en fait sur un terrain, puisqu'on a toujours l'information visuelle dynamique sur la scène visuelle qui est présente. Donc l'idée, c'est d'avoir ce mouvement comme un mouvement de joueur et en plus une scène dynamique qui bouge autour. Ça, c'est pour surcharger le cerveau. C'est pour que lorsque l'athlète a subi un tel entraînement, on automatise les systèmes cérébraux, on automatise les réseaux pour rendre plus facile la tâche une fois sur le terrain. 5, 8, 2, 3. Parfait, continue comme ça. En somme, il suffirait d'un bon score au jeu d'arcade pour décrocher le ballon d'or. Facile, non? Alors, à vous de jouer. Il suffit de suivre les 4 petites boules rouges pendant 5 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. On imagine souvent, oh, les athlètes, leur cerveau ne sert pas à grand-chose. Finalement, c'est vraiment faux. Parce qu'on oriente nos ressources vers quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins intelligents, mais il y a une forme d'intelligence, c'est clair. Il y a une forme de capacité mentale qui est optimisée pour ce qu'ils font. La science quitte ses laboratoires pour descendre sur le terrain. Mais si les chercheurs sont aujourd'hui prêts à mouiller le maillot, il reste encore à convaincre les sportifs de leur faire une place dans l'équipe. C'est très très bien de développer tout ça en laboratoire. Maintenant, ça se traduit comment sur le terrain et quel est le transfert et quel est le degré d'efficacité. Est-ce qu'on va gagner 10, 20% d'efficacité, 2 ou 3%. On s'entend que même 2 ou 3%, c'est énorme. Hein, parce que c'est 2 ou 3% de quoi? Si ça nous fait gagner un dixième de seconde, c'est 1 mètre, 2 mètres sur le terrain. Bah, t'as le ballon ou t'as pas le ballon. C'est le ballon, il franchit la ligne ou il franchit pas la ligne. Sauf qu'on est encore loin de pouvoir enfermer le cerveau dans un logiciel informatique. Si l'on sait aujourd'hui augmenter les capacités cérébrales des athlètes, il reste bien illusoire de prétendre maîtriser parfaitement tout ce qui nous passe par la tête. Le ski, c'est un sport très solitaire. Vous passez le portillon, vous laissez votre équipe et vos entraîneurs, et pendant les 2 minutes qui suivent, vous savez, il n'y a plus personne. Vous n'entendez plus rien, il n'y a que vous et vos pensées, et le vent dans votre casque. On a vite fait, malgré la vitesse, de se mettre à gamberger, à penser à ce qui va se passer à la prochaine porte, ou aux erreurs que vous avez faites, ou même à votre prochaine lessive. Les pensées, ça va dans tous les sens, non? Tous les champions savent qu'il ne sert à rien de doper ses facultés cognitives si l'on arrive à dompter le flux de ses pensées. Pour faire un sportif parfait,
il ne suffit pas d'un cerveau parfaitement calibré. Les sportifs doivent apprendre à en contrôler les divagations. Même au plus haut niveau, même chez des athlètes qui ont tout un environnement pour contrôler tous les aspects de leur performance, malgré tout, on a encore cette espèce de degré de liberté qui fait qu'il va y avoir un trou de concentration. Ce qui paraîtrait presque inimaginable vu le niveau d'entraînement qu'ont ces gars-là. Ça montre bien que le mental, et notamment la maîtrise de l'attention, ça reste un petit peu la dernière frontière donc pour ce qui est du sport de haut niveau. À l'heure actuelle, les techniques d'entraînement cérébral travaillent encore sur des modèles de cerveau uniformément calmes. Mais l'univers de la compétition plonge au contraire les sportifs dans un contexte de tension maximale. Pour Manuel Osborne Paradis, toute la question est d'arriver à contrôler ses émotions pendant les 2 minutes que dure la course. Lancé à plus de 120 km/h, la moindre pensée parasite peut lui coûter la vie, ou du moins une place sur le podium. Elle-même ancienne championne d'athlétisme, Penny Wertner aide depuis 20 ans les meilleurs athlètes de la planète à rester au maximum de leur capacité dans des contextes particulièrement éprouvants. On mesure l'activité électrique du cerveau. On la mesure à la surface du crâne ou du cortex par électroencéphalographie, dans différentes bandes de fréquences, de manière à pouvoir en parler de façon simple. En gros, on a les ondes delta qui sont celles du sommeil. On a θ qui est plus proche de la rêverie, de l'esprit qui divague. Ensuite, on a alpha, puis les ondes bêta, hautes et basses, qui sont celles de la rumination, de la peur générée par le stress. Le retour qu'on a sur l'écran qui est relié aux électrodes nous donne une manière très concrète pour dire « Voilà, c'est là que tu dois être ». Le stress, l'excitation ou les états de concentration extrêmes font considérablement varier les ondes cérébrales. La technique employée par Penny Wertner permet aux athlètes d'en diriger eux-mêmes les variations. Par la seule force de son esprit, le champion de slalom Manuel Osborne Paradis peut désormais rivaliser avec les meilleurs skippers du Vendée Globe. Plus il parvient à maîtriser ses ondes de stress, plus vite avance son petit bateau. Quand j'ai commencé ce jeu des petits bateaux avec Penny, Penny et moi, on cherchait à quel moment se situaient mes difficultés, où il y avait des chutes de concentration et les moments où mon cerveau se baladait. Et quand on faisait un test de 2 minutes, c'était toujours entre 1 minute 30 et 1 minute 45 secondes que mon cerveau se baladait le plus. Et si vous regardez ma carrière, toutes mes chutes, toutes les courses que j'ai perdues, ça s'est toujours passé entre 1 minute 30 et 1 minute 45. Ils gagnent énormément en confiance à mesure qu'ils progressent dans l'entraînement, parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent effectivement gérer ça par eux-mêmes. Aucun logiciel ne donnera jamais aux athlètes un contrôle absolu des émotions qui les animent. Mais il est possible d'apprendre à les orienter pour libérer ces automatismes et laisser s'exprimer leur créativité. Quand vous êtes en confiance, vous sentez que ça coule tout seul. Pour moi, skier, c'est passer de virage en virage et gagner de la vitesse pour prendre le virage suivant. Quand tout va bien et que tu suis ta ligne, ça glisse tout seul. Avec l'anxiété, on a de la tension dans les épaules et ça ne glisse pas. Tout devient mécanique et pas fluide. Si tu utilises ta respiration pour te calmer, alors ça devient facile de se laisser glisser et de laisser la montagne et les skis glisser ensemble. Cet état psychique optimal, où la performance est vécue sans la moindre sensation d'effort ni de travail, le psychologue hongrois Mihály Csikszentmihalyi l'a théorisé au cours des années 1990, sous le terme de « flow ». Pour les athlètes, il constitue une sorte de graal ultime. Le flow, c'est le fleuve qui coule et il n'est pas en tortillant, en train de se perdre dans des rochers dans tous les sens. On est dans une phase assez laminaire où tout va dans la même direction, toute l'énergie va dans la même direction. Ce qu'on retrouve au niveau neuronal dans cette idée que c'est un état
probablement, qui minimise les interactions, les interférences négatives. Donc c'est pour ça que le flow est aussi décrit généralement comme une impression particulièrement agréable. Le flow, c'est quelque chose de très difficile à obtenir pour tous les athlètes. C'est ce déclic où tout autour de vous devient enfin synchronisé, où vous sentez le poids exactement où vous voulez qu'il soit, où vous sentez votre corps, où les moindres petits muscles que vous avez entraînés pendant des heures et des heures font exactement ce qu'ils doivent faire au bon moment, dans le bon rythme. Je crois que le flow a beaucoup à voir avec le rythme et la musique. Vous entrez dans cette dynamique et soudain, le monde s'arrête. Soudain, vous êtes presque un dieu. Vous contrôlez tout ce qu'il y a autour de vous et vous pouvez contrôler les plus petits gestes, les plus petits mouvements. Quand vous êtes dans le flow, tout ralentit et vous pouvez vraiment voir le poids et voir votre relation avec le poids et faire tourner le poids là où vous voulez et décider où vous allez mettre toute votre énergie. Toute l'énergie que vous avez en vous dans ce poids et la lâcher dans l'univers. Dès que vous lâchez, c'est le moment suprême, comme le Big Bang de la création. À la lumière des scanners, le cerveau des athlètes commence à révéler quelques-uns de ses secrets et le perfectionnement constant du matériel permet aux scientifiques d'explorer toujours plus la tête des athlètes. Il fallait hier 10 000 heures d'entraînement acharné pour espérer un jour entrer dans la légende. 10 000 heures d'efforts à répéter les mêmes gestes pour affiner patiemment ses réseaux neuronaux. 10 000 heures à courir, sauter, lancer, tirer pour finalement buter contre les limites du corps humain. Mais pour le monde du sport, l'avancée des recherches en neurosciences signe l'ouverture d'une ère nouvelle. Les stimulateurs neuronaux trouvent leur place dans les gymnases et les salles d'entraînement. Il faut maintenant les faire descendre au plus près des athlètes. L'athlète avait un corps parfait. Il aura en plus un cerveau parfait. Et tout le monde attend désormais l'avènement prochain des nouveaux dieux de l'olympisme. Ah, tout est dans la matière grise. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, suivez-nous sur le web. Et quoi que vous fassiez, soyez heureux. Au revoir.